3 recettes délicieuses de glace faites maison. La glace est l'un des desserts les plus délicieux et les plus populaires dans le monde de la pâtisserie. C'est pourquoi nous vous proposons de découvrir, dans cet article, comment faire rapidement et simplement une glace maison que vous pourrez déguster en famille. L'origine de la glace est incertaine. Certains disent que la glace vient des Perses, car ils dominaient la technique de conservation de la glace, et avaient l'habitude de servir une recette similaire à du riz au lait qu'ils conservaient dans une sorte de réfrigérateur appelé Yagdan. D'autres disent que la glace est née avec le roi Alexandre le Grand de Macédoine et l'empereur romain Néron, car tous deux avaient l'habitude de refroidir leur jus de fruits et leur vin avec de la neige ou du verglas des montagnes. Il existe bien d'autres mythes sur l'origine de ce dessert, notamment en Chine et en Italie. 1. Une glace au chocolat faite maison. Pour préparer ce délicieux dessert maison, l'idéal est d'avoir une sorbetière. Cela vous permettra d'avoir une texture plus ferme. Néanmoins, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser votre réfrigérateur ou congélateur. Les ingrédients. 2 jaunes d'œufs. 4 amandes, 70 g. 4 barres de chocolat, 200 g. 6 cuillères de sucre, 90 g. 1 cuillère de maïzena, 15 g. 1 2 verres de crème liquide, 100 g. 2 verres de lait entier liquide, 400 ml. 3 cuillères d'essence de vanille, 15 ml. La préparation. Dans une casserole de taille moyenne, faites chauffer les barres de chocolat et le lait ensemble. Laissez refroidir. Dans un bol, ajoutez les jaunes d'œufs, le sucre et la maïzena. Mélangez bien jusqu'à obtenir une crème homogène. Ajoutez le lait au chocolat dans le mélange préparé juste avant, et continuez de mélanger. Chauffez le mélange à feu doux en faisant attention de ne pas laisser bouillir. Retirez du feu, puis attendez que la préparation refroidisse. Ajoutez la crème liquide et l'essence de vanille, puis mélangez bien à nouveau. Mettez la préparation dans la sorbetière jusqu'à ce qu'elle durcisse, puis ajoutez les amandes. Mettez la glace dans un moule que vous mettrez ensuite au réfrigérateur, afin que le mélange se solidifie davantage. Servez et dégustez votre glace maison. Note, si vous n'avez pas de sorbetière, servez-vous de votre congélateur. Cela prendra juste un peu plus de temps. 2. Une glace à la fraise faite maison. Le meilleur de la glace maison à base de fruits est que vous pouvez varier les combinaisons, une glace à l'ananas, à la mangue, à la pomme, et même au kiwi. Amusez-vous en famille en testant différentes combinaisons. Les plus petits du foyer seront ravis. Les ingrédients. 6 cuillères de sucre, 90 g. 1 cuillère de maïzena, 15 g.
1 boîte de lait évaporé, 400 ml. 1 2 verres de lait entier liquide, 100 ml. 1 verre et demi de fraises congelées, 300 g. 1 cuillère d'essence de vanille, 5 ml. La préparation. Dans un bol, mettez l'essence de vanille, le lait entier et le lait évaporé ensemble, puis mettez le bol au congélateur. Une fois la préparation congelée, mettez-la dans un mixeur pour obtenir un mélange crémeux. Ajoutez petit à petit le sucre, afin qu'il s'intègre bien au mélange. Ajoutez la maïzena et les fraises une à une jusqu'à ce que la préparation prenne une couleur rosée. Servez et dégustez votre glace faite maison. 3. Une glace Oreo faite maison. Cette recette de glace maison est idéale pour les enfants et pour tous ceux qui adorent le chocolat. Elle est très facile à préparer, et vous n'aurez besoin que de 2 paquets d'Oreo pour donner du goût à votre glace. Les ingrédients. Une boîte de lait concentré, 397 ml. 2 paquets de biscuits Oreo, 300 g. 2 boîtes de crème liquide, 450 ml. 1 cuillère d'essence de vanille, 5 ml. La préparation. Dans un premier temps, retirez la garniture des biscuits Oreo, la partie blanche, et écrasez les biscuits, la partie noire. Pensez à mettre de côté quelques biscuits pour décorer la glace plus tard. Dans un bol, versez le lait concentré et les morceaux de biscuits écrasés, puis fouettez jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ensuite, dans un autre bol, fouettez la crème liquide jusqu'à obtenir une consistance épaisse. Une fois que c'est fait, versez la crème liquide devenue épaisse dans le premier bol, et fouettez bien à l'aide d'une spatule. Enfin, versez le mélange dans un moule que vous mettrez ensuite au congélateur pendant 4 ou 5 heures. Servez et dégustez. Les glaces maison sont faites pour ça.